Oui, qui est là? C'est moi, c'est ton père. Ouvre-moi. J'arrive. Pourquoi cette visite matinale? Réveille ton frère, j'ai à vous parler. Oui, pas de problème. Tu as déjà déjeuné? Non, pas encore. Dans ce cas, Ilse va nous faire du café. Ilse! Louis! Bouge-toi! Papa vient d'arriver! Alors, qu'est-ce que je vais vous le dire à tous les deux. Louis! Je vais le secouer. Il est encore au lit. Descends demander à Ilse de préparer le petit déjeuner. Ilse, vous avez entendu ce que Hans vient de dire? C'est l'heure. Levez-vous. Dépêchez-vous, on vous attend. Ilse, alors, vous êtes réveillée? Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? La petite Lohmann est morte. Elle est sur son lit. Elle est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Presse, laissez-moi passer. La victime est toujours là? Les inspecteurs sont à l'intérieur. Vous savez que vous ne pouvez pas entrer. Voyez-vous ça? Tim? C'est notre employé, Ilse Lohmann. Stéphane? Oui. La fille a été étranglée. Le médecin pense que la mort remonte à hier soir. Entre 22 et 23 heures, ça fait donc plus de 10 heures. La porte et la fenêtre n'ont pas été forcées. Entre 10 et 11 heures, nous n'étions pas là. Nous étions chez notre père. Nous avons passé la soirée chez lui. Nous devions parler affaires, quelques papiers à régler. Oui, je vois. Et ensuite, nous sommes rentrés vers minuit. Nous avons pensé que Hiltz devait dormir depuis longtemps. Et nous sommes allés nous coucher. Alors, tu confirmes ce que Hans vient de dire?
Oui. Il dit la vérité. Merci. Nous avons relevé plusieurs traces de coups. Il y en a des récentes et des plus anciennes. Et alors, qu'en pensez-vous? Si vous me permettez de donner mon avis, cette fille a dû subir des violences sexuelles. Merci, docteur. Oui, c'est exact. Elle était notre maîtresse, la sienne et la mienne. Nous étions d'accord sur la règle du jeu. Elle était masochiste. C'est elle qui souhaitait recevoir des coups. Elle aimait ça, ça l'amusait. Oui. Vous dites que ça l'amusait. Vous aussi? Oui, nous aussi. Mais ce n'est pas nous qui l'avons tué. Je vous l'ai déjà dit, ce que je dois me répéter. Mes fils étaient chez moi. Pour une bonne raison. Je leur ai cédé mon affaire. Nous avons parlé de ce que je leur donnais, de ce qu'ils me laissaient. Je veux conserver des parts, ils veulent me les prendre, enfin, vous comprenez. Et ils sont restés chez vous tous les deux, et ce, jusqu'à minuit. Oui. Ça vous suffit? Vous saviez que vos deux fils entretenaient des rapports avec leur employé de maison? Oui, je le savais. Je savais où et comment. Ça les regarde. À cette heure-ci, il n'y en a plus. Il est très tard, hein, vous savez. Vous n'avez pas l'heure? Si. J'ai une montre. Le dernier bus est passé depuis longtemps. Hein. Où est-ce que vous voulez aller? Je crois que je l'ai échappé, belle. Oui. Vous n'aviez pas consulté les horaires? J'étais dans les nuages. Je regardais la pluie tomber et je trouvais ça très joli. Oui, et... Vous réfléchissiez à la façon de rentrer chez vous? Sous cette jolie pluie. Vous voulez peut-être appeler un taxi? Il y a une cabine téléphonique. Sûrement pas un taxi. Et pourquoi pas un taxi? J'imagine la tête du chauffeur quand je lui dirai que je ne peux pas le payer. On dirait que vous avez des problèmes. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'argent? J'ai tout dépensé, maintenant j'en ai plus. Et dans ce cas, comment allez-vous rentrer chez vous? Vous disiez que vous vouliez rentrer chez vous. Chez moi? Vous avez quelqu'un que vous pouvez prévenir? Oui, ma mère. Alors faites-le. Vous avez de la petite monnaie? Oui. Oui, j'ai quelques pièces.
Quelque chose ne va pas. Vous ne savez plus où vous en êtes, c'est ça? Non. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Vous êtes malade? Qui sait où commence la maladie? Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. On ne rentre pas chez moi. Mon mari serait furieux que je vous ramène chez nous. Mais j'ai un magasin en ville. Et là, vous pourrez appeler votre mère. Ma mère n'est plus là. Vous voulez dire qu'elle est morte? Dans ce cas, vous ne pouvez pas lui téléphoner. Parfois, on aimerait bien, surtout en ce moment. J'aimerais bien savoir à quoi je m'engage avec vous. Oui, je sais. Je vous cause des problèmes. Restez assis et fermez cette portière. Vous êtes dépassé par les événements, c'est ça? Nous y voilà. Mon bureau est là-haut. Venez. Bien. Enlevez votre blouson. Vous êtes trempé. Oui, je suis trempé comme une soupe. Oui. Vous pouvez dormir ici. Écoutez, il n'y a rien d'intéressant ici. Je ne garde pas d'argent. Excusez-moi d'être aussi direct. Mon médecin... Je pense qu'il n'est pas toujours facile de faire confiance aux autres. Votre médecin? Je suis en traitement. Je peux téléphoner? Oui, oui. Je voudrais appeler ma sœur. Vous avez une sœur? Oui. Elle est morte. On l'a assassinée. Qui téléphone à une heure pareille? Ici Robert Lohmann. Je peux parler à ma sœur? À votre sœur? Oui, je suis Robert Lohmann, le frère d'Ilse Lohmann, votre employé de maison. Votre sœur est... Vous n'êtes pas au courant. Votre sœur n'est plus là, elle est morte. Vous devriez le savoir, on vous a prévenu. Je ne peux pas lui parler? Non. Qui était au téléphone? Son frère. Le dingue. Merci de me laisser dormir ici. Et je ne vous prendrai rien. Avec qui parliez-vous au téléphone? Ma sœur travaillait comme employée de maison. Elle avait une chambre chez ses patrons. C'est là-bas qu'elle a été tuée.
Je suppose que je viens de parler au meurtrier. Vous avez dit que vous étiez en traitement. Quelle sorte de traitement ? Un traitement psychiatrique. Mais ne vous faites pas une fausse idée. C'est une histoire de vie intérieure. J'en ai une, vous en avez une. Seulement, dans la mienne, il se passe beaucoup de choses. Mon médecin m'a dit, soyez heureux. Ce que vous avez en trop, d'autres en manquent. Bon. Essayez de vous reposer. Je serai là à 8 heures. Tu l'as laissé seul au magasin. D'une certaine façon, il m'a sauvé la vie. C'était peut-être pas tout à fait la vie. Mais depuis cette rencontre, je me demande si j'ai encore toute ma raison. J'y vais et je le jette dehors. Non, tu le laisses. Il est plutôt bizarre. J'ai la sensation qu'il n'est pas si fou qu'il en a l'air. Allô, qui est à l'appareil ? C'est moi, maman. D'où appelles-tu ? Dis-moi, où tu es ? C'est sans intérêt, laisse tomber. Tu sais que j'attends ici, alors tu vas me dire où tu es et très exactement. Je sais pas, quelque part dans un magasin, on m'a conduit ici. Quel magasin ? J'ai téléphoné à Ilse. Ilse ? Ilse est morte et tu le sais, elle a été tuée chez ses patrons. J'ai parlé à son meurtrier. Son meurtrier ? Quel meurtrier ? Personne n'a rien avoué. Et tant que personne n'avouera quoi que ce soit, on ne saura pas qui l'a tué. Il a raccroché. Il t'a dit où il se cachait ? Il est dans un magasin. Je ne sais pas quel magasin, il ne me l'a pas dit. Il m'a dit qu'il avait téléphoné à Ilse. Il sait pourtant qu'elle est morte. Bien sûr qu'il le sait. Je lui ai envoyé un télégramme. Bonjour, Madame Hoss. Bonjour. Vous avez oublié d'éteindre. Bonjour. Bonjour, le courrier. Et merci. Bonne journée, mesdames. J'ai amené quelqu'un ici dans la soirée. Quelqu'un qui ne savait pas où aller. Je vais voir s'il est encore là. Il y est sûrement. Vous aviez fermé à clé. C'est juste. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi ? J'en sais rien. Vous savez sûrement si vous avez bien dormi ou pas ? Oui, parfois je le sais, mais pas toujours. C'est comme ça. Parfois je dors avec les yeux grands ouverts. Et parfois je suis éveillé sans le savoir. Je vais vous préparer du café. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Je veux aller voir ma sœur. J'avoue que ce que vous dites là m'étonne un peu. Votre sœur est morte. Ilse est vivante pour moi. Sa mort n'a pas d'importance. Voilà. Je vais aller la voir.
Je vous ai conduit. Nous allons à l'endroit où elle travaillait. Oui. Nous allons là où elle a été tuée. Oui. Nous allons voir les gens qui, pour vous, sont les meurtriers, c'est ça? Oui. Quelles sont vos intentions? Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. On peut encore faire demi-tour. Le frère d'Ilse Loman. Entrez, je vous en prie. Veuillez patienter un instant. Le frère de la victime est là. Ah, oui, c'est vrai, elle avait un frère. Vous le connaissez? Oui. Il est dingue. Vous pouvez le renvoyer tout de suite. Il ne vous apportera rien. Ah, vous croyez? Alors fais-le rentrer. Vous voulez venir, s'il vous plaît? Où est ma sœur? Vous voyez? Il demande où est sa sœur. Il refuse d'admettre qu'elle est morte. Est-ce que personne ne vous a dit que votre sœur est morte? Excusez-moi, mais vous ne savez pas qu'elle a été assassinée? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je comprends très bien. Ma sœur est morte. Et je demande à ces meurtriers où elle est. Écoutez, votre sœur a été retrouvée morte il y a 3 jours dans cette maison. Elle a été assassinée, quelqu'un l'a étranglée. Le coupable n'a pas pu venir de l'extérieur. Les fenêtres et les portes de la maison sont intactes. Elles n'ont jamais été forcées. Cette maison appartient à 2 frères. Vous les connaissez? Ils ne vous écoutent même pas. Ma sœur m'avait parlé d'eux. Oui, mais à l'heure où elle a été tuée, les 2 frères n'étaient pas là. Ils disent qu'ils se trouvaient chez leur père. Voici M. Roder, c'est leur père. Il a un appartement en ville et il confirme que ce soir-là, ses fils ne l'ont pas quitté de toute la soirée. Voilà où nous en sommes. Je peux voir sa chambre? Comment? Oui. Oui, bien sûr, suivez-moi. On a trouvé votre sœur sur ce lit. Elle a été tuée là. Elle était tout habillée. Et... Je peux m'asseoir? Quoi? Oui, oui, bien sûr, allez-y. Votre sœur était serveuse dans le bar qui appartient aux 2 frères. Ensuite, elle est venue travailler ici comme employée de maison. Je vous prie de m'excuser, comme maîtresse aussi. L'autopsie a révélé que votre sœur avait subi des sévices corporels. Les traces qu'elle avait sur le corps n'étaient pas récentes.
Et nous pensons que votre sœur s'est vue infliger des traitements sexuels violents. Elle m'a téléphoné, c'était la nuit. Elle pleurait, elle m'a dit, je suis à moitié morte. Ils vont me tuer. Quoi ? Elle vous a téléphoné ? Ils vont me tuer. Est-ce qu'elle a employé exactement ces mots ? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Harry, oui? Écoute, Monsieur Loman vient de faire une déclaration. Sa sœur lui a téléphoné. Quand a-t-elle appelé ? Vous vous souvenez de la date ? C'est très important pour nous. Il dit qu'il faisait nuit, elle pleurait, elle lui a dit « Je suis à moitié morte, ils vont m'assassiner ». Non, c'est pas ça. Vous m'avez pas dit assassiner, tuer, n'est-ce pas ? Ça s'est passé quand ? Il y a quelques jours. Réfléchissez bien, c'était peut-être la nuit du meurtre. Hier. Elle était déjà morte. Non, écoutez-moi bien. Les deux frères sont suspects. Ce sont les suspects numéro un. C'est vrai, ils ont un alibi, mais grâce à leur père. Je leur ai déjà dit que c'était insuffisant. Alors, votre déclaration est très importante pour nous. Essayez de vous souvenir de la date de cet appel. C'est ça, il faisait nuit et elle pleurait. Tu n'en tireras rien. Oui, fais-le sortir. Essaie de savoir où il vit et demande-lui de se tenir à notre disposition. Suivez-moi. Tu ne dois pas boire. Pose ce verre. Inutile de montrer que tu es alcoolique. Pourtant, je le suis. Et cela ne me gêne pas du tout que quelqu'un s'en rende compte. Je n'ai pas envie qu'il mette ta parole en doute. Je suis ravi que vous ayez besoin de mon aide. Vous êtes mort de frousse, hein? Ne risque rien si tu gardes la tête froide. Je peux vous offrir quelque chose? Oui, pourquoi pas, merci. J'ai horreur de boire seul. Vous buvez quoi? Whisky. Whisky, d'accord. Voilà qui est parfait. Merci. Je vous attendais. Je peux savoir ce qui se passe? Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Qui je suis? J'ai ramassé M. Loman hier. On aurait dit qu'il ne savait plus où il était. Et vous, qui êtes-vous? Police criminelle. Vous savez pourquoi il est ici? Oui, il m'a raconté que sa sœur était morte. Elle a été assassinée, c'est ça? Qu'est-ce que vous comptez faire de lui? Il a laissé sa valise dans mon magasin. Oui, où voulez-vous aller? Chez votre mère? Chez sa mère? Hier soir, il m'a dit que sa mère était morte. Et je comprends. Tous ces événements ont dû le chambouler. Il faut que je sache où je peux vous joindre. Je vais l'emmener. Et je vais vous donner mon adresse. Merci pour le whisky. Bien, maintenant, messieurs, vous allez me suivre au commissariat. Parlez-moi de votre mère. Est-ce qu'elle est morte ou vivante? Elle est morte. Elle vit toujours, mais elle est morte. Pour vous, elle est morte, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Avec vous, c'est difficile de distinguer les morts des vivants. Bien, continue tes recherches. Monsieur Rodin, je voudrais vous parler, suivez-moi. Allez-y. Je voudrais vous faire part d'une déclaration que Robert Loman nous a faite, voilà. Sa sœur lui a téléphoné, il faisait nuit, elle a dit « Je suis à moitié morte ».
Ils vont me tuer. Elle a dit, ils vont me tuer, et ils l'ont tué. Et vous affirmez que vos fils étaient chez vous de camp à camp. Toute la soirée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, toute la soirée? Je veux des horaires détaillés, hein? Vous allez me signer une déposition en règle. Si vous voulez. Vous n'avez pas un idiot en face de vous, comme le type de tout à l'heure. Non. Je peux vous regarder droit dans les yeux et vous dire que vous ne pourrez rien nous faire, ni à moi, ni à mes fils. Et je vous dis ça bien que je ne porte pas mes fils dans mon cœur. Merci. Continuez, je vous écoute. Oui, elle aimait ça. Que ça vous plaise ou non, vous devez l'accepter. Elle le voulait. Eh oui, il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Et qui se foutent totalement de ce que vous en pensez. C'est comme ça. Pour moi, ce sont eux. Ils n'avaient qu'un pas à franchir. Et ils l'ont franchi. Non. Vous ne comprenez rien à rien. Vous ignorez ce que valent mes fils. Ce sont de petites ordures. Seulement, ils finissent toujours par avoir gain de cause. Non. Leur avenir ne va pas s'écrouler. Bien au contraire. Ils vont en tirer profit. Je suis d'accord pour le vol de samedi, mais il faut que ce soit sûr. Où voulez-vous aller? Je vous rappelle plus tard. Oui, merci. Vous savez à quoi je pense? Là, je vous retrouve sous la pluie et vous venez de rater le dernier bus. Je vous en prie, posez votre valise. Bien. Vous n'avez pas envie d'aller chez votre mère, c'est bien ça? Oui. Vous voulez faire quoi? Ne vous faites aucun souci. Je vous remercie de m'avoir aidé. J'arrive pas à sortir la phrase de ce garçon de mon esprit, tu vois de quoi je parle. Oui. Mais il faisait nuit, elle pleurait et elle a dit cette phrase. Je suis à moitié morte. Oui, mais Stéphane, je pense que ce sont des mots qui sont sans conséquence. Tu finiras bien par les oublier. Non. Je n'arriverai pas à les oublier. Où peut-on joindre ce jeune homme? Je vous attendais, commissaire. Bonjour. Bonjour. Le magasin est fermé. Pourquoi cet appel? Au sujet de Robert Lohmann, il est toujours chez vous? Oui. Bien. Vous l'avez rencontré hier soir, comme ça, par hasard, dans la rue? Oui, dans la rue. Il était debout sous la pluie. Et il m'a sauvé la vie. Quoi? Une voiture trop rapide a failli me faucher. Il m'a poussé sur le côté à la dernière seconde. Il a dormi là-haut. En ce qui me concerne, il peut rester ici, jusqu'à ce qu'il finisse par retrouver la raison. Jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Oui, il en a une.
pour autant qu'on en est une. C'est très, très gentil. Vous pensez à son bien-être. Je ne fais que ça, à longueur de journée. Et je n'ai pas l'impression de mal agir, je crois. Ah, non. Non, non. Bonjour, Robert. Je voulais savoir comment vous alliez. Très bien, merci. Bien. Très bien est un peu exagéré. Il dort ici, sur le canapé. Ah. Mais il est un peu trop petit pour lui. Je peux m'asseoir ? Oui, je vous en prie. Merci. Bien. Venez, Robert, venez. Robert, pourriez-vous me parler de votre sœur ? Pour vous dire quoi ? Eh bien, quelles étaient vos relations ? Étaient-elles bonnes ou non ? Vous comprenez ? Est-ce que vous vous entendiez bien ? Nous étions toujours ensemble. On ne se quittait pas. On se voyait très souvent. On n'avait personne d'autre. Oui, excusez-moi, mais votre mère était pourtant là. Non. Qui... Non ? Mais que signifie ce nom ? Elle n'était pas là. Elle était... devenue ce que nous ne voulions pas, une étrangère. On ne l'aimait pas. Ainsi, vous n'aviez que votre sœur. Oui, je n'avais qu'elle. Cette maison et ces gens pourris. Je la revois devant moi. Elle était avec moi quand... quand j'ai perdu la notion du temps. Elle m'a dit, n'aie pas peur, tu as seulement un peu trop d'imagination et quand on est dans ton cas, tout se mélange dans le cerveau. C'est vrai que tout se mélange dans le cerveau. Il suffit de savoir s'arrêter au bon moment. Oui, je comprends. Votre sœur voulait vous aider, n'est-ce pas ? Oui. Je crois que votre sœur voulait également que vous l'aidiez. Elle a fini par vous parler de tous ses problèmes. Je pense qu'elle en avait. Et que vous les connaissiez. Il faisait nuit. Elle pleurait. Elle était à moitié morte. Il est émouvant, n'est-ce pas ? Robert. Robert, vous voulez venir avec moi ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu l'as emmené chez toi ? Oui, Robert Loman est chez moi. Tu as appris quelque chose sur sa mère ? Oui, j'ai enquêté. J'ai pas mal de renseignements sur elle. C'est une femme aux mœurs légères, une quantité d'hommes. Elle en change continuellement. Elle est égoïste et dénuée de sentiments, quels qu'ils soient. Et je suis en dessous de la vérité.
Elle a beaucoup d'argent qu'elle ne dépense que pour elle. Ce n'est pas une mère de conte de fées. Je suis allé la voir cet après-midi. Je lui ai souvent répété ceci. Fais bien attention, tu joues un jeu trop dangereux. Tu verras, tu vendras ton âme au diable. Et ses hommes aussi. Fais attention. Ils risquent de devenir complètement fous. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fini par la tuer. Et votre fils? Mon fils? Il vit dans un monde que je ne connais pas. Un autre monde, duquel il refuse de sortir. Tu comprends ce qu'elle a voulu dire? Oui, enfin, je crois comprendre. Non, Stéphane, écoute. Ne laisse pas ce garçon s'installer chez toi. Dis-moi, il peut entendre ce qu'on se dit? Non, il est dans la cuisine. Il prépare un plat de spaghettis. Alors, vous avez fini? Encore une minute. Dites-moi, ça sent drôlement bon. La sauce est presque prête. Vous aimez cuisiner? J'ai vécu avec ma sœur pendant quelque temps. C'était le bon temps. Je cuisinais. Elle disait que je faisais ça mieux qu'elle. Elle avait parfaitement raison. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Autrefois, la vie était plus facile, légère. Comme une danse. Rien n'était sérieux. Oui, oui. Vous comprenez? Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est vrai. Parfois la vie est facile, parfois plus dure. C'est pareil pour tous. Vous savez, souvent j'ignore si les gens comprennent ce que je dis. Moi, je vous comprends très bien. Écoutez, si vous êtes fatigué, votre chambre est prête. Allez vous coucher dès que vous aurez dîné. D'accord. Ah, au fait, j'ai un rendez-vous, je ne rentrerai pas tard. Je suis en route, Harry. Tu es prêt? Oui, je pars tout de suite. Bien. La vie était facile, légère. Comme une danse. Cet établissement appartient aux deux frères. Oui, je sais, c'est ici qu'ils gagnent leur argent. Monsieur Roder est assis au bar. Bonsoir, monsieur Roder. Ah, la police dans ce lieu de débauche. Si vous êtes là à titre privé, vous êtes des invités. Non. Nous savons que ce bar ne vous appartient plus. Oui, vous avez raison. Mais je suis un homme qui a toujours fait de bonnes affaires, même avec mes fils, et justement avec mes fils. Vous voyez, j'ai le droit de voir tout ce que je veux. Non pas à mes frais, mais aux leurs. Et voici Anita, c'est elle qui tient le livre de compte. Ce qu'elle écrit dessus paralyse de terreur mes chers fistons. Ça ne leur fait pas de mal, ces deux-là, d'avoir peur. Vous comprenez certainement ce que je veux dire. Alors, que puis-je vous offrir? Écoutez, je ne sais pas. Un whisky, Harry? Oui, mais vous nous laissez régler l'addition. Ah, je vous en prie, laissez-moi ce plaisir. Oh, voici ces messieurs. Et comment doit-on prendre votre visite? Comme de simples clients ou alors... C'est un peu compliqué pour nous. Vous êtes toujours les suspects numéro un. Tout ce qui vous touche de près ou de loin nous intéresse. C'est votre droit. Papa, tu devrais aller te coucher. Rassure-toi. À l'heure du crime, vous étiez chez moi. Je n'ai toujours pas dit le contraire. Ils seront heureux tous les deux. Quand j'aurai passé l'arme à gauche, ne vous inquiétez pas, vous étiez chez moi.
Je peux le jurer devant Dieu. Alors ne restez pas comme ça. Continuez de vous amuser. Ils sont morts de frousse. Oui, c'est ce que je pense. Whisky pour la police. Ils sont vraiment nerveux. Mais leur alibi se tient. Ils peuvent compter sur leur père. Oui, oui. Je le sais. Tenez, viens, on s'en va. Écoute, Harry. Attends. Viens, suis-moi. Et Anita, M. Roder nous a dit que vous notiez sur un livre tout ce qu'il prenait au bar. Est-ce que c'est bien exact? Oui. Alors, tout ce qu'il boit ici, le soir, est noté sur ce livre avec le jour et l'heure, c'est ça? Oui, chacune de ses consommations. C'est très bien. Vous notez bien toutes les dates. Chaque gorgée avec la date. Alors montrez-moi ce livre, je vous prie. Merci. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il y a trois jours, la nuit du meurtre, M. Roder était là, il s'est saoulé. Regarde ce qu'il a bu. Il ne devait plus tenir sur ses jambes. Monsieur Roder, la nuit du meurtre, vous étiez ici, et non pas chez vous. Vous avez passé la nuit à vous saouler. Asseyez-vous. Merci. Non. Je n'étais pas dans mon appartement. Vous l'avez découvert. Ouais. C'est vrai, je n'y étais pas. J'étais au bar. Je veux que les choses soient claires. J'y suis resté toute la soirée. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Eux, ils étaient bien dans mon appartement. Et je vous donne en mille ce qu'ils y faisaient. Ils ont cassé toutes mes armoires. Ils cherchaient un contrat qu'ils avaient signé il y a quelque temps et qu'ils voulaient me reprendre avant que je ne m'en serve. Rassurez-vous, ils ont réussi à me le reprendre. Ces ordures de fils qui cherchent à tout prix à virer leur père. Oui. Vous voulez voir les armoires qu'ils ont brisées? Elles ne sont pas réparées. Et le contrat en question, j'ai fini par le récupérer. Essayez de savoir pourquoi. Tu veux une tasse de café? Quoi? Non, je te remercie. Harry, oui. Qu'est-ce que Roder nous a dit à la fin? Eh bien, il a dit... Ces deux ordures n'avaient que le contrat en tête. Ils n'avaient pas la moindre envie de tuer cette fille. Il y a quelque chose qui me gêne depuis le début. La victime était habillée.
Tiens, pourquoi ne vous êtes-vous pas couché? Ah, j'ai voulu vous attendre. Un appartement étranger. Est-ce que vous vous êtes déjà senti à l'aise quelque part? Bien, vous buvez quelque chose? Merci. Je vais boire un verre. Vous avez fait la vaisselle? Oui. J'ai toujours besoin d'ordre. Alors? Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous ne vous êtes jamais senti vraiment à l'aise quelque part? Disons, un peu comme si vous étiez chez vous. Jamais dans un endroit. Toujours chez quelqu'un. Chez votre sœur, vous étiez à l'aise. Oui. Oui. Vous m'avez bien dit que tout au long de votre vie, votre sœur et vous, vous vous étiez toujours entendus. Oui. Je pense que... dès notre naissance, quand on peut ressentir les choses, réfléchir, on essaie de se faire une image du monde. D'abord de soi, puis ensuite de tout ce qui nous entoure chaque jour. Et Ilse et moi, nous imaginions le meilleur. Seulement, ce ne sont que des rêves. Et un jour, il faut dire adieu aux rêves. Parce que... ils n'ont rien à voir avec la réalité. Elle m'a téléphoné, il faisait nuit. Je l'entends pleurer. Elle me dit, pitié, pitié, je t'en prie, viens. Ils vont me tuer. Je ne peux plus le supporter. Aide-moi. Vous êtes allé la rejoindre. Avec le train. Et quand je suis arrivé, elle était seule dans la maison. M'a pris dans ses bras, embrassé. Elle ne voulait plus me lâcher. Et elle balbutiait. Aide-moi, j'en peux plus. Ça peut plus durer. Je peux plus vivre comme ça. Alors j'ai fini par faire ce qu'elle voulait. C'est moi qui l'ai tué. Je m'en doutais. Ensuite, vous êtes reparti. Et vous avez reçu le télégramme qui vous annonçait que votre sœur était morte. Oui. Je me suis enfui pour revenir ici. J'ai marché sous la pluie.